Bonjour et bienvenue sur Game One, c'est Anne et aujourd'hui je vais vous parler d'une série télé puisque la saison 2 vient de se terminer aux États-Unis et donc elle est disponible depuis quelques temps maintenant sur Netflix et il s'agit donc de Titans. Donc Titans ou Titan pour les Français, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série télé assez glauque, assez noire qui met justement en avant des jeunes super-héros dans le monde de Batman. Donc dans l'univers DC Comics, en gros, le héros, c'est Dick Grayson. Dick Grayson, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est Robin. C'est le fameux Robin de Batman et Robin. Sauf que, qu'il ne supportait plus de travailler avec Batman, alors il s'est barré, et il est allé à Détroit. Et puis du coup, dans le synopsis, en gros, il rencontre une jeune Rachel Roth avec des pouvoirs un peu bizarres. Et tout part de là, justement, dans la saison 1. Et la saison 2 vient de sortir, et je ne peux que vous la conseiller, et même conseiller toute la série, parce que j'aime beaucoup ce côté noir de la série. Ça me rappelle un peu Dark Knight. C'est vraiment ce truc où, quand Marvel, c'est vraiment très, très édulcoré, très, voilà, avec des trucs assez fun et tout. Là, on est quand même dans un monde beaucoup plus noir, c'est assez violent et tout. Et du coup, je ne peux que vous conseiller d'aller voir cette série parce que ça change des Flash ou des Arrow ou des choses comme ça. Vous savez, les séries CW qui sont assez enfantins quelque part, naïves, faciles. Et bien là, on se retrouve avec une série bien dark comme je les aime. Voilà, bon allez, sur ce, moi je vous laisse. On se dit à très vite sur Game One.